Yo les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous montrer comment avoir des roues modées sur le RC Bandito. Donc comme vous pouvez voir, c'est les mêmes roues que sur ma voiture, donc c'est les roues blanches. Donc sur la voiture et sur le RC Bandito, c'est les mêmes. En tout cas, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça ferait super plaisir. On vise les 3000 abos. Ce qui est cool en plus les gars, c'est que le glitch il est vraiment hyper court, donc en 2-3 minutes vous allez avoir les roues modées. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Donc pour commencer les gars, ça va être très simple. On va tout simplement télécharger une activité. Donc l'activité, c'est une capture qui s'appelle Job RC Bandito. Je vous mets le lien de l'activité en description de la vidéo. Donc il faudra aller cliquer sur le lien et télécharger l'activité depuis le Social Club. Donc il faudra la mettre en favori. Une fois qu'on a mis l'activité en favori, il faudra qu'elle apparaisse sur la map, donc comme moi, donc juste à côté de la RC Bandito. Donc pour ça c'est très simple, on va faire pavé tactile longtemps, on va aller dans masquer icône et là on va faire activité et faudra les mettre sur personnalisé, faudra pas les mettre sur masquer, faudra bien qu'elles soient sur personnalisé. Donc une fois qu'on aura fait ça les gars, on va se rendre vers le garage qui est juste à côté et on va choisir une voiture avec les roues qu'on veut. Donc moi par exemple c'est celle-ci, donc c'est la Porsche avec les roues blanches. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer dans le véhicule et on va faire flèche de droite pour accéder à l'atelier. Donc là on va tout simplement accéder à l'atelier et faudra qu'on modifie quelque chose sur la voiture. Donc vous modifiez ce que vous voulez. Moi par exemple je crois que je vais modifier les freins ou le blindage. Non, je vais mettre les freins. Donc je vais mettre des freins de sport. Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir quitter la voiture. Donc on va descendre. Donc descendre du véhicule. Et là les gars, on va faire une petite manip. Donc ça va être un peu compliqué mais pas trop. Donc en fait on va devoir être dos au RC Bandito et on va devoir avoir les pieds dans le cercle jaune. On est bien positionné, donc comme moi, on va faire 3 fois flèche de droite. Donc on va spammer la flèche de droite 3 fois. Donc si ça a bien fonctionné les gars, vous allez voir qu'on a une RC Bandito modée. Donc elle a complètement changé. Vous avez bien vu, avant elle était orange et elle avait des roues orange. Et là on a les mêmes roues que sur la Porsche. Donc les gars, j'ai oublié de préciser, mais faudra modifier quelque chose sur le RC Bandito. Donc ce que vous voulez, comme avec la voiture, vous modifiez ce que vous voulez. Donc c'est pour que ça le sauvegarde, sinon ça va pas sauvegarder. Donc vous modifiez quelque chose juste après que vous ayez fait le glitch. Donc dès que les roues elles apparaissent, vous modifiez quelque chose et puis ça va le sauvegarder. Donc je vais vous remontrer tout bien comment on fait. Donc on fait flèche de droite pour accéder à l'atelier de la reine. Une fois qu'on est dans l'atelier de la reine, les gars, on va modifier quelque chose sur la voiture. Donc vous modifiez ce que vous voulez. Donc moi, je vais remodifier les freins. Donc je vais mettre les freins au max. On va descendre du véhicule. Et là, les gars, ça va être important. On va bien se mettre de dos sur le RC Bandito. Donc il faut que nos pieds ils soient dans le cercle jaune. Tac, pas trop loin, mais pas trop près non plus. Donc bien dans le cercle jaune, mais pas trop. Et là, il faut bien faire 3 fois flèche de droite. Faut pas faire 2 fois ni 4 fois. Faut bien faire 3 fois flèche de droite. Donc 1, 2, 3. Hop. Et quand on va respawn les gars, vous allez voir que on a bien le RC Bandito avec les roues modées. Donc hop, là on va modifier quelque chose. Donc vous modifiez ce que vous voulez. Moi je vais modifier, non pas la carrosserie. Je vais mettre des seaux, un seau, je sais pas comment c'est. Hop, on le met à 100%. Et tac, on a modifié quelque chose et ça va sauvegarder nos roues.